Salut à tous les frères, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les mecs, nouvelle vidéo sur FIFA 22, voilà. Je vais tout simplement vous montrer mon équipe FIFA Ultimate Team. Voilà, donc le but de cette vidéo c'est pour vous donner des idées d'équipe ou même vous partager mon équipe parce que voilà, j'ai gagné pas mal d'abonnés. J'ai envie que vous voyez un peu avec quelle équipe je joue tout simplement. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, ce genre de vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à liker les mecs, ça me ferait vraiment plaisir pour le référencement. En plus c'est gratuit. Donc franchement les mecs, pour le soutien, ça me ferait vraiment plaisir. Et du coup, pour ceux qui veulent me montrer votre équipe, ceux qui veulent que je note ou quoi, même si je suis personne pour noter, mais j'aime bien en vrai, venez sur Insta, envoyez-moi votre équipe et les mecs, ben, voilà, on parlera un peu par rapport à votre équipe, voilà, ce qui a amélioré ou si c'est bien ou pas, voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur Insta, les gars. Du coup, on est parti, donc ça, c'est le remplaçant. Premier joueur, les mecs, en goal. Voilà, Chalo, bah non, du coup, c'est Sech, les mecs. Sech, donc j'ai fait dans les SBC il y a assez longtemps, voilà, il était dans les SBC. Et du coup, je l'ai fait pour pas cher, je l'ai fait pourquoi? Pour 10K, je crois, les mecs, j'avais les cartes pour. Donc franchement, j'ai fait combien de matchs avec lui? J'ai fait 413 matchs avec lui, les mecs, et je regrette pas du tout, c'est vraiment un très bon goal, les mecs. Donc si vous voulez Sech, si vous hésitez à l'acheter, je vous le conseille, il est très 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 fort, les mecs. Ensuite, défenseur droit, Sergiño Dest. Alors, pour être avec vous, il y a Dest à l'équipe et je vais mettre Cuadrado. Voilà, parce que j'ai packé Cuadrado, Théo, TGS, mais j'hésite encore. Mais pour le moment, il y a Dest, les mecs. Donc, Dest Player Moment, je l'ai fait dans les SBC pour pas cher du tout. 182 matchs, un but, une passe D. Bon, c'est un défenseur droit. Il est très très fort, les mecs. Il est vraiment très très fort. Mais la vérité, je vais tester Cuadrado, RTTL, parce que j'ai eu dans les renforts 80 plus. Ensuite, défenseur central, Ferdinand, Prime. Prime, tout court, Prime les mecs, Ferdinand Prime, voilà, je l'ai packé aujourd'hui dans les packs Division Rival, donc incroyable, ceux qui ont pas vu la vidéo, allez la checker les mecs, elle est dans les sorties récentes. Donc les mecs, Ferdinand, j'ai fait un match avec lui, un but de la tête sur corner, incroyable. De toute façon, je l'ai pas encore bien testé, mais je sais que c'est un crack. Donc Ferdinand les mecs, dans mon équipe. Ensuite, Varane Flashback, je l'ai fait pour, si je me souviens bien, 300K ou 400K les mecs, il faisait 1 million. Il fait toujours 1 million, il est toujours dans l'SBC. 424 matchs, 2 buts, 2 passes D, 3 cartons jaunes, aucun carton rouge, il défend très bien, il est assez rapide. Après, pour le prix, je trouve que c'est un peu haut parce qu'il essaie de craquer très très fort. Mais j'ai l'impression que, voilà, pour moi, un joueur qui fait 1 million, pour moi, il récupère tous les ballons, je suis désolé. Des fois, il fait des petites boulettes. Donc voilà, que ça vaut le coup, je sais pas. Après, moi, je l'ai fait pour 300 000, donc automatiquement, ça vaut le coup pour moi. Ensuite, défenseur gauche, Cancelo Tucci, voilà, c'est que des premiers détenteurs en fait, mon équipe, les mecs, que des premiers détenteurs non échangeables. Cancelo Tucci, voilà, je l'ai eu dans le pack joueur PL Premium pendant qu'il y avait la Tucci, du coup, hein, 121 matchs, 2 buts, 10 passes D. Il est vraiment bon, très très bon, les mecs, il faut le faire jouer de partout. Tous les postes tous les postes in-game, buteur, attaquant gauche, attaquant droit, MOC, MDC, défenseur droit, gardien, arbitre, les mecs, de partout, vous pouvez le faire jouer. Il est incroyable, en même temps, c'est un Tucci. Donc très content de l'avoir eu, même si c'est celui que je voulais à moins parmi les Totti, parce que tout simplement je l'avais en TOT, en Ligue des Champions, les mecs, vous savez, les cartes Ligue des Champions comme Marquinhos et tout, comme Vinicius aussi. Je l'avais cette carte-là et j'ai trop joué avec, donc ça m'avait saoulé, mais bon, je suis obligé de le faire jouer, les mecs, il est trop fort. Ensuite, attaquant droit, Garincha, les gars. Donc je l'ai packé dans le pack icône Baby, pack icône normal, vous savez, au tout début du jeu. J'ai eu 547 matchs, 104 buts, 159 passes D. J'ai pas des stats de fou avec lui, mais franchement, il est plutôt pas mal. Il est très très fort, assez rapide, tout ça. Franchement, Garincha, c'est un crack. Je sais même pas, il fait combien à l'heure actuelle. Je crois qu'il fait 700 000 ou 800 000. Franchement, très fort, Garincha. Je vous le conseille si vous voulez l'acheter. Mais bon, à ce stade-là du jeu, je vous conseille d'acheter le middle ou le prime, les mecs. Ensuite, MDC, Kanté. Alors, les mecs, voilà. J'avais Chalobah. J'ai toujours Chalobah. Il est très fort. Mais aujourd'hui, j'ai eu Kanté 90, le régular, dans le renfort 80+. Et j'ai envie de le tester, tout simplement. Voilà, parce que je ne l'ai jamais testé à part en draft. Mais dans mon équipe, je ne l'ai jamais testé. Voilà, j'avais envie de l'avoir un peu. Même si au début, je l'avais en flashback, mais c'est pas le 90. Le 90, c'est le meilleur. Voilà, j'ai envie de le laisser un peu dans mon équipe. Parce que Chalobah, il m'a un peu saoulé, je ne vais pas vous le cacher. Et voilà, je vais le tester. Je l'ai aujourd'hui. Donc, un match, un but. Voilà, donc c'est exceptionnel pour Kanté. Donc, on va voir ce qu'il vaut, même si je sais qu'il est très très fort, les mecs. Ensuite, milieu gauche, attaquant gauche, mais bon, je joue avec un milieu gauche. David Ginola, les gars, donc 505 matchs, 180 buts, 146 passes D. Les mecs, crack, il n'y a rien à dire. Après, j'ai trop joué avec lui, donc il me saoule un peu. Mais ouais, pour l'instant, il est remplaçable et j'ai envie de le garder jusqu'à que je trouve un autre attaquant gauche aussi fort que Ginola. Ensuite, les mecs, donc ça, c'est mon buteur. Puskás, je l'ai eu dans le pack choix icône prime ou middle, je crois. Ouais, dans le pack choix icône prime ou middle.
J'ai eu Puskás, je crois que c'était que Prime Middle en fait. Bref, c'était le choix icône. Puskás, 24 matchs, 15 buts, 8 passes D1, c'est très très fort Puskás. Je l'avais l'année dernière aussi, mais là, voilà, cette année je l'ai encore et c'est très très fort. Donc Puskás, les mecs, incroyable, rien à dire. Ensuite, milieu défensif central, mais je mets MC dans mon équipe pour qu'il ait le collectif. Guendouzi, donc, enfin Guendouzi. 87 matchs, 6 buts, 9 passes D1, il défend très bien, mais j'en ai marre, voilà. En vrai de vrai, je suis fan de Marseille, mais c'est un joueur que j'affectionne pas particulièrement, la vérité, j'aime pas trop. Et quand j'ai des joueurs comme ça, quand j'ai des joueurs que j'aime pas trop dans la vraie vie, j'aime pas trop jouer avec eux, mais là j'ai pas le choix de jouer avec les mecs. Donc voilà, Guendouzi dans mon équipe. Après, il arrive fait de mal ou quoi, les mecs, c'est juste que j'aime pas le type de joueur qu'il est, voilà, tout simplement. Mais sinon, ça reste un très bon joueur FIFA, voilà, il est très bon, mais j'ai envie de le changer. Et les mecs, mon milieu offensif central, même s'il est BU, c'est Antoine Griezmann. Donc j'adore le joueur, j'adore la carte, elle est exceptionnelle. Je l'ai faite parce que j'étais obligé de la faire, tout simplement, j'adore le joueur. Et 13 matchs, 10 buts, 4 passes D. Il est MOC, les mecs, donc c'est plutôt de très belles stats. Et franchement, regardez les stats, les mecs, il est incroyable. Donc voilà mon équipe. Mon équipe, c'est ça, les mecs. Donc in-game, c'est un 4-2-3-1. Puskás en pointe et Griezmann MOC. Les deux milieux récupérateurs, c'est Kanté et Guendouzi. Milieu gauche, du coup, milieu offensif central gauche. Milieu offensif central gauche, ouais, c'est Ginola. Et du coup, à droite, c'est Garrincha. Donc, mon banc, il est incroyable. Il y a Maradona middle, les mecs, je vais le remettre. Juste, je voulais tester Griezmann en fait, mais je vais le remettre. Ozil, Moment, Aubameyang, on va regarder les stats ensemble. Hein. 394 matchs, 161 buts, 138 passes D. Pour Aubameyang, c'est exceptionnel, les mecs, il est trop fort. 245 matchs, 200 buts, 90 passes D. Ozil, j'ai pas encore trop testé. 12 matchs, 1 but, 0 passes D. Et j'ai Neymar, les mecs, donc j'hésite à le mettre à la place de Ginola, mais Ginola, il est vraiment très fort. 50 matchs, 16 buts, 13 passes D, donc c'est pas exceptionnel non plus. J'avais Vidic, il est vraiment beau Vidic, les mecs, baby, mais bon, je vais faire Dina, il faut faire des choix, et le choix a été vite fait. Et sur le banc, du coup, voilà, j'ai lui, les mecs. J'ai le petit Cuadrado que je vais mettre titulaire, je vais le tester. Donc allez les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'équipe. Voilà. Pour ceux qui me disent pour les postes, tout ça, t'as pas mis les bons postes, juste les mecs. Pour le moment, ça me dérange pas. J'ai la flemme d'acheter des ATM aussi, des ADMD, des MDCMC, alors qu'ils ont tous. Voilà, le collectif ne vous dit séparer les mecs. Mais dans tous les cas, je vais le faire parce que. Voilà, l'esthétique de l'équipe, ça va rendre mieux. Mais c'est seulement pour ça, les mecs. Sinon, le reste, je m'en fous un peu. Donc voilà, les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, les mecs. N'hésitez pas si vous voulez plusieurs vidéos comme ça, présentation d'équipe ou des trucs comme ça, les mecs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite tout simplement une bonne soirée. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les gars.